Ce sont 10 nouvelles qui parlent du lien, de la fatalité. Ce sont souvent des scènes qui sont assez modestes, parfois juste, comme dit Carver, on entre dans une pièce en coup de vent, on saisit un trait, une situation. Ça peut être un homme allongé dans sa brouette, deux filles, un homme qui prend deux filles en autostop. Des scènes vraiment modestes, et j'essaie de voir à quel moment le réel déraille. Et voilà. Et à partir de ces petites scènes, il y a quand même une sorte de, pas dire de réflexion, mais de quelque chose autour du lien, la dissolution du lien, du délitement et aussi de la fatalité. C'est pour ça que le titre, c'est Une chance unique. Et je crois que c'est la définition de Carver quand il dit une nouvelle, c'est passer en coup de vent, ne pas s'attarder. Et moi, c'est ce qui me plaît effectivement, de regarder une situation, une femme, un homme dans une pièce, et de, comme si je regardais par le trou d'une serrure. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de chute, j'essaie juste de saisir un instant. Quelque chose qui va être pas forcément psychologique. J'essaie de garder l'énigme des personnages, juste de prendre, d'observer une situation et après de laisser le lecteur avec ça, essayer de décoder, d'interpréter voilà, quelque chose qui se passe. Moi, donc je fais une description assez minimaliste, ce qui peut se passer dans un, je sais pas, deux personnes dans une pièce et un couple dans une voiture, deux jeunes filles sur le bord d'une autoroute, et de, voilà, de saisir quelque chose du réel, à un moment où le réel peut éventuellement dérailler. C'est pour ça qu'il y a par exemple l'histoire d'un homme par exemple qui pêche des balles de golf dans le fond d'un étang et qui partage cette expérience avec quelqu'un qu'il connaît à peine. Et j'essaie de créer une sorte d'atmosphère aussi, une sorte d'inconfort ou d'inquiétante étrangeté. J'essaie de, voilà, souvent je pars d'une image, d'une atmosphère, et j'essaie de décrire un peu le réel et le moment où tout ça peut dérailler, tout en essayant de rester le plus discret possible, le plus subtil, pas donner trop de réponses au lecteur. Et c'est là où la nouvelle est un format qui est vraiment intéressant, parce que ça permet vraiment de préserver l'énigme des personnages. Surtout ne pas trop en dire. Ça peut partir d'une image que j'ai en tête, qui me touche, qui m'amuse, que je juge poétique, ou sinon parfois juste d'une phrase. Je crois que la première nouvelle, c'est deux jeunes filles qui discutent dans un zoo à Stockholm, et il y en a une qui dit à l'autre, elle parle de son supérieur hiérarchique qui lui a fait des avances, et elle lui dit, c'est quand même un problème, le supérieur hiérarchique, on appelle ça un N+1, et elle dit, c'est quand même un problème, la libido des N+1. Et ça, c'est vraiment une histoire que j'ai entendue dans un café. Il m'a dit, cette phrase, elle a quelque chose de du buesse, du burlesque, de poétique, tout ce qu'on veut. Et à partir de cette phrase-là, je vais élaborer quelque chose. Je vais essayer de faire gonfler une histoire ou une conversation. Et voilà. Après, il y a une autre nouvelle, ça part vraiment d'autre chose. Là, d'un personnage qui me touchait, qui m'intéressait, qui est Jean Painlevé. Et donc, qui est un biologiste et cinéaste du début du XXe siècle, qui a passé sa vie à filmer des algues, des hippocampes, des pieuvres. Et qui a fait une œuvre qui est assez colossale et qui est méconnue. On connaît bien Cousteau, qui est arrivé après, qui a fait des films spectaculaires, et beaucoup moins le travail de Jean Painlevé, qui est un travail assez modeste et en même temps vraiment passionné, obsessionnel. Et moi, cette démarche-là me plaît, et je trouve qu'elle est proche de celle d'ailleurs du romancier qui travaille dans son coin, qui fait de la micro-observation, qui travaille sur le détail de façon. Et je trouve que Painlevé et un personnage qui, quelque part, dessine une forme d'art poétique avec ses courts-métrages sur les algues et sur les pieuvres, qui n'est pas loin de celui dont se sert le romancier, ou en tout cas dont moi je me sers quand j'écris. Dans les auteurs qui m'influencent, effectivement, des nouvellistes américains, et sans parler des nouvelles de Salinger, mais quelqu'un comme Raymond Carver, c'est vraiment primordial, ces nouvelles ont été très fortes. Même ce qui est dur, c'est de savoir s'en détacher, mais il y a une forme de minimalisme et de goût de l'épure qui m'intéresse beaucoup chez Carver. Et il y a un autre minimalisme que j'aime bien, qui est celui aussi d'une école d'édition de minuit de Jean-Philippe Toussaint, ou aujourd'hui de Christian Auster, qui est vraiment un auteur que j'admire énormément. Et dans à la fois ce minimalisme, avec quelque chose de ludique, un ton, une manière de façon de s'amuser de la langue, des situations, voilà, ça, il y a quelque chose qui est aussi une influence que je revendique. Et alors oui, Jean Echenoz, et notamment dans mon dernier texte, c'est aussi un clin d'œil, mon dernier texte sur Painlevé, qui est une sorte de fiction biographique,
Oui, c'est référencé et c'est aussi une forme de clin d'œil à la trilogie biographique d'Eschenoz que je trouve très intéressante. Après, je me méfie un peu de la mode en ce moment autour des personnages et des fictions biographiques. On voit énormément de romans qui sortent autour de ça, mais c'est dans le cadre d'une nouvelle, un texte très court qui raconte la vie de Pain Levé, de mon cinéaste scientifique en 12 pages. Je trouve que ça permettait à la fois de faire connaître une figure et en même temps sans l'étirer sous la forme longue d'un roman, voilà, et de faire aussi un clin d'œil à Eschenoz évidemment.